Chamonix. Il y a deux joueurs de Chamonix en prison. Oui, il y a deux joueurs de Chamonix. Il y en a un pour 2 minutes et un pour 10 minutes. Alors 10 minutes, c'est assez rare dans le hockey. C'est une punition de méconduite. C'est-à-dire que vraisemblablement, le numéro 3, Claret Tournier, a eu des propos qui n'ont pas plu à l'arbitre, ce qui fait qu'ils joueront pendant 2 minutes en infériorité. Et au bout de 2 minutes, le premier joueur rentrera sur la glace, mais l'autre qui a 10 minutes de prison, lui, restera pendant 10 minutes, mais les joueurs pourront jouer quand même à 5 contre 5, évidemment. Attention, contre-attaque de Luc Tardif tout seul devant Daniel Dur. Et oui, but! Bravo, bravo, but de Luc Tardif. Et il semble... Alors vraiment, là, c'est pas de chance, parce que, à nouveau, Saint-Gervais était en supériorité numérique. Il ne risque pas à en profiter. D'autre part, Luc Tardif, qui est le meilleur joueur de Chamonix, s'en va seul. Regardez, vous le voyez. On va en ralentir. Mais regardez bien comment le but a été marqué. C'est assez étonnant et rare. Il part seul. Il rate. Il va rater. Vous voyez, il rate, le gardien le bloque, mais le gardien glisse avec le palais dans la cage, et c'est le gardien qui rentre avec le palais dans la cage. C'est ça, il est arrivé pied en avant sur le gardien, et c'est peut-être désagréable pour le gardien d'ailleurs.